Horseman. Vraiment, vraiment contente de vous avoir avec nous pour ce volet dressage-là, qui est une autre de mes passions. Donc, pour moi, le dressage, l'agilité, ça va ensemble pour vraiment faire corps avec notre cheval, que ce soit dans la communication non-verbale au sol ou en selle. Donc, le dressage, c'est une discipline que je pratique depuis plusieurs années, depuis 2013 en fait. J'ai commencé avec OISA, quand même un petit bout de temps. Et au fil des années, on a eu nos écueils, on a eu nos succès, on a vraiment rencontré des modules qui nous ont causé de la difficulté. Et finalement, on a découvert une façon de travailler au travers de cette difficulté-là dans le plaisir. Et ça change absolument tout. Parce que c'est normal qu'il y ait des moments qui soient difficiles, c'est normal qu'il y ait des moments où on soit découragé, mais en sachant qu'il y a une solution et qu'on va en sortir plus fort, ça devient, on enlève le stress et on en profite pour renforcer davantage et davantage et davantage notre relation. Donc, ce que je vous propose pour le volet dressage, en fait, c'est de se baser sur deux échelles. L'échelle de dressage allemande, qui a fait ses preuves au fil du temps, donc qui est composée de 6 étapes. Alors, le rythme, la relaxation, le contact, l'impulsion, la rectitude et le rassembler. Donc, je vous propose de faire un bloc de 3 mois pour chacune de ces étapes-là et de parallèlement aller travailler sur nous, le horseman, le cavalier, pour aider notre cheval à franchir ces étapes-là. Donc, par exemple, si on prend la première étape de l'échelle allemande qui est le rythme, nous, on va l'accompagner du côté du cavalier au niveau de l'équilibre et de notre assiette. Donc, le premier module va parler vraiment du rythme du côté du cheval et de notre équilibre et assiette du côté du cavalier et ça va être ainsi pour chacun des modules. Ça prend du temps à aller travailler chacun des modules, donc je vous propose de faire 3 mois sur chacun des modules de l'échelle allemande et ainsi de suite pour pouvoir prendre le temps de vraiment améliorer notre dressage final. Donc, le programme va avoir une reprise de dressage différente à tous les mois. On commence par le début, donc on va commencer par le pas et le trot. Et donc, vous allez savoir que pendant le module du rythme, bien que je vais regarder l'image d'ensemble de votre reprise, ce qui va être ma priorité absolue, ça va vraiment être cet élément-là qui est le rythme et votre assiette équilibre du côté du cavalier. 3 mois plus tard, on va passer au deuxième module, la relaxation, et on va aller travailler aussi du côté du cavalier. Donc, il va y avoir à chaque mois les gagnants pour ce volet-là. Et le gagnant de la première place va avoir un 15 minutes de coaching privé avec moi. Donc, ça peut être par vidéo que vous m'envoyez et on le regarde ensemble. Ou ça peut être simplement qu'on se parle par vidéoconférence et vous me posez vos questions et je vous réponds. Et je vous donne des pistes de solutions pour vous aider avec votre cheval. Alors, écoutez, je suis vraiment, vraiment contente de vous avoir avec nous, avec moi. Vous allez pouvoir nous accompagner, moi, OISA, Jem. Vous allez pouvoir voir aussi avec un cheval très, très novice, très, très green, comme Jem l'est en dressage, versus OISA qui a plus de 1000 âges. Et je vais vous amener aussi avec moi derrière la caméra, derrière les vidéos finales pour voir un petit peu, oups, quand ça va pas bien, qu'est-ce qui se passe, comment on reprend ça. Donc, vous amenez avec moi pour qu'on partage vraiment ce trip-là de dressage ensemble. Alors, on commence ça en septembre 2023. Vraiment, vraiment contente de vous avoir avec nous. Puis, on y va ensemble. On va voir ce que ça va donner. Je suis convaincue qu'on va en sortir gagnant. Okay. J'espère que ça va répondre à vos questions. Puis, on se reparle bientôt. Bye bye tout le monde.